Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant, et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèle la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes. Bien le bonsoir Twitch et bienvenue également aux gens qui sont là sur la rediffusion sur YouTube. Pour eux, je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'Aube des Songes, ça se passe de ce côté-ci avec le petit pouce bleu, l'abonnement, la notification qui fait plaisir et puis bien sûr les commentaires juste en dessous qui permettent à la chaîne de remonter dans l'algorithme de YouTube et de se faire connaître à plus de gens. Si vous aimez les histoires, c'est une très très bonne façon de les partager. Et puis, si vous trouvez que mon travail mérite un salaire, ça se passe en barre de description sur le Tipeee, qui est la meilleure façon de soutenir l'Aube des Songes parce que à partir de l'équivalent d'un café par semaine, vous recevrez tous les dimanches à midi une nouvelle originale écrite par votre serviteur. Mais sur ce, trêve de promotion, il est temps de rejoindre les gens du chat qui sont déjà très très nombreux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Carp Killer, bonsoir Patient Cortex 55 et toutes les autres personnes qui sont là mais qui ne parlent pas forcément dans le chat. Carp Killer, j'ai appris que tu me venais de la part de Bavard, donc c'est un véritable plaisir de te voir ce soir dans le chat. J'espère que ce que tu trouveras ici te plaira. Fatigué, mes journées de merde, on retrouve l'aube des songes, donc ça va. Oui, bon, bah, je suis ravi de savoir que ça te fait plaisir, Patient Cortex. J'ai des gens à remercier avant que l'on commence. Pouf, pouf, pouf. Alors, pouf, pouf, pouf. Déjà, j'ai vu que il y a assez... Caro qui a demandé que je boive, ah, donc déjà, pour les 100 premiers points, pour les 100 autres points, gars, fait plaisir, il fait chaud, et accessoirement, j'adore l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Amis du JDR, oui, très bonne façon, mais le JDR, ce sera lundi. Carp Killer, et ça vaudra la peine si tu découvres le JDR qu'on fait actuellement sur la chaîne. Je t'invite à venir voir sur YouTube. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est la commande J'en veux plus, si je me rappelle bien. Hop, voilà. Carp Killer, si tu veux aller voir la chaîne YouTube, à partir de là, tu peux très très facilement aller voir les premiers épisodes de Hubris, qui est une campagne de Cyberpunk Red qu'on fait en ce moment et dont le dernier épisode aura lieu lundi à 19 h. Bonsoir Suisse Kazu, comment ça va? Donc, je n'ai pas remercié. Alors, je dois remercier... Ouah, mais je dois remercier plein de gens. Je dois remercier plein de gens. Alors, pif pouf pouf. Style FR, je crois que je l'avais remercié, mais dans le doute, on remercie une fois de plus, parce qu'on ne remercie jamais assez trop. Merci Nouille Claude, Youno, Carp Killer, Otaking64 et La Plume de Meister qui sont tous venus rejoindre la chaîne pendant que je n'étais pas là. Merci beaucoup pour le fait de suivre la chaîne. J'espère que ce que vous y trouvez ou y trouverez vous plaît dans tous les cas. Ce soir, chers amis, je vais discuter un petit peu moins que d'habitude, puisque on a pas mal de pain sur la planche pour ce soir. Et comme vous le savez ou ne le savez pas, à 21 h, je vous enverrai en raid chez l'ami Bavard qui poursuit la soirée du jeudi soir sur le thème conte, la soirée du conte du jeudi soir, on va dire. Et donc à 21 h, je dois vous envoyer chez Bavard sans le moindre retard pour que vous puissiez poursuivre la soirée. Bonsoir Poésie, je suis très très content de te voir, comment ça va? J'y pense en fait les gens, vous êtes vachement braves parce que 19 h, ça veut dire que vous avez eu le temps globalement de terminer le travail et de venir directement ici. Donc... merci beaucoup pour votre fidélité, c'est un plaisir de vous retrouver. Hop, alors... Attaque. Poésie qui va bien, merveilleux. Très bien. Bon, les gens sont calmes. C'est normal, c'est 19 h. Après tout, à 19 h, l'ambiance est beaucoup plus calme qu'à 21 h. Ce qui se comprend parfaitement. Dans un moment, je ferai à manger en écoutant ta voix suave, nous bercer de péripéties. Oh, c'est extrêmement bien dit. J'ai pas de mérite pour ma voix, Poésie, je suis né avec. Donc... c'est très compliqué. En fait, c'est toujours très difficile quand on vous fait un compliment sur quelque chose qui est inné. C'est... Alors, c'est flatteur, ça fait plaisir, mais en fait, il n'y a pas de mérite. Tu fais avec. Mais effectivement, c'est vrai que... Ah, ouais, d'ailleurs, si je tends un petit peu l'oreille, je peux entendre que chez moi aussi, ça cuisine en ce moment. Alors, que je prépare. Ah oui, j'avais ouvert le panel de commandes. Ah oui, pour les gens qui n'ont pas encore eu l'information, le nouveau PC fonctionne très très bien, on a fait le premier live avec. Ce lundi, on a pu faire le premier live avec. Et donc, comment dire, les commandes sont disponibles. Simplement, je les couperai pendant pendant la lecture, et de même pour les sons des abonnements et autres. Oh d'ailleurs, il faut que je vérifie que ce soit bien réglé, parce que si des gens commencent à suivre ou à s'abonner et que ce n'est pas réglé correctement, ce sera laid, ils râleront et ils auront bien raison. Alors, où est mon overlay ? Ah, mais c'est parce qu'il s'est pas... c'est parce qu'il s'est pas ouvert, ce d'overlay. Attendez. Attendez. L'intonation, le débit de parole, tout ça, tu fais la merde. Bah, je suis content que ça te plaise, patient Cortex. C'est mon métier. L'incarnation des personnages, le goût de faire des personnages, je pense que c'est inné. Parce que aussi loin qu'on me l'ait raconté, en fait c'est comme les gens qui dessinent depuis qu'ils sont gamins, comme les gens qui écrivent depuis qu'ils sont gamins, qui dansent depuis qu'ils sont gamins, qui calculent depuis qu'ils sont gamins. C'est ça, je pense que c'est une partie qui est malgré tout innée. Maintenant, ce que tu en fais, ça c'est de l'acquis et ça se travaille. Mais après, tu as raison, du coup, le fait de faire des personnages comme je le fais maintenant, c'est du boulot, c'est vrai. Mais la prime est à un sel, je ne pense pas. Alors, voilà. Est-ce que je peux... Voilà, est-ce que je peux éditer la lecture? Voilà. Alors... Émulons, émulons, hop. C'est bien ce que je pensais. Regardez les gens. Aïe, 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 j'ai oublié. C'est le seul truc que j'ai pas fait. Aïe, 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 c'est n'importe quoi, c'est moche. Je vous demande de vous arrêter. Oh, excellente référence, Poésie. Ah oui, mais la responsabilité du succès, Poésie, c'est pas juste le travail. C'est comment... C'est Aznavour. C'est... C'est talent plus travail plus chance. Donc ça... Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, qui bossent toute leur vie, mais qui n'ont pas de chance, et voilà. Et c'est triste. Ça existe. Donc, j'en étais à faire des réglages. Overlay la lecture. Voilà. Où te caches-tu, malandrin? Voilà. Hop. Alors, zou. Non. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et si je mets un sub, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement fort. C'est Albert qui est tellement fort, qui est tellement garanti. Est-ce que là on est bien? Ouais. Hop, sub. Oh, alors... alors absolument patient cortex, mais je ne savais pas que des gens feraient le lien. Je ne pensais pas que des gens auraient la référence. Parce que c'est vraiment, mais alors là, c'est plus suisse que ça. Je sais pas si ça existe. Mais oui, c'est pas n'importe quel baby bouchette en plus, c'est Albert Levert. Ah, le gruyère. Ouais, c'est vrai. Le gruyère, c'est juste, ça compte. Le gruyère et la double crème qui vient du même endroit. Ça, c'est incroyable. De quoi débat? Non, il n'y a pas de débat, Poésie. Le gruyère, c'est suisse. « 100% français, mais j'ai une culture très personnelle. » Alors, en vrai, patient cortex, je serais très curieux de savoir comment tu es tombé sur les baby-bouchettes. Parce que c'est vraiment... Bah, en fait, je me rends compte que c'est très confidentiel comme truc. Enfin, comme beaucoup de spécialités... Enfin, de spécialités, non. Mais de... Je sais pas... Des... Enfin, les émissions jeunesse, c'est un truc, j'ai l'impression, qui reste beaucoup dans le pays d'origine et qui... ne sort pas tellement. C'est d'autant plus vrai pour les produits suisses en général, pour les productions suisses plutôt. Et c'est là, mais alors pour moi, c'était vraiment le truc qui ne pouvait pas sortir de ces spectateurs, enfin comment tu dis, de l'audience prévue. J'arrive au bon moment, on parle de double crème. Oui, bonsoir, Suite Pelote DB, tu arrives effectivement pile au bon moment. On a un tout beau cas même, puisque... du public cible, exactement, Poésie, merci. On a Patient Cortex 55, qui est 100% français pur jus, et qui a reconnu que Albert Levert, c'était les baby-bouchettes. Et ça me laisse quoi? Absolument, c'est... De où? Enfin, d'où? Comment? Mais attends, je vous demande de vous arrêter. Ouais, exactement, comment? Abasourdi, tout à fait. Mais rester quoi, c'est une très belle expression aussi. Je vous demande de vous arrêter. Mais vous fumez, monsieur. Ça, c'est qui, Poésie? Bonjour, Noctambule, comment vas-tu? Non, sérieusement, Poésie, est-ce que tu peux me citer les deux références que tu m'as envoyées? Je vous demande de vous arrêter, c'est Balladur. Bien sûr, c'est Balladur. Parce que ça, alors, on va noter. Le je vous demande de vous arrêter, c'est obligatoire, c'est une commande. Mais vous fumez, monsieur, c'est Sarkozy. Oh non. Allez, mais vous fumez, monsieur. Je l'entends maintenant. Ok, c'est bon. Quel enfer. Je vous demande de vous arrêter. Ah, le au revoir. Ah oui, le au revoir, il est merveilleux. Je sais pas si je le ferai, mais je note. Balladur m'est répété tellement de fois chez Ardisson. Ouais, mais à ce moment-là, celui de Pelote DB, je préfère toujours l'original. C'est comme le... C'est bon, les pommes pour la santé. Si c'est pas Chirac qui le dit, ça compte moins. Ça compte moins. C'est typiquement, dans le dernier Maître du Donjon, j'imitais Jean-Claude Van Damme, mais quand je citais des vraies phases de Jean-Claude Van Damme, il n'y a que lui qui peut les faire aussi bien que lui. C'est... Ça y est, je me suis déconcentré. Donc on avait le au revoir. Au revoir. Laissez-moi vous dire, monsieur Mitterrand, que ce soir je... Oh oui, mais celle-là, elle est magistrale, Poésie. Vraiment. Celle-là, je retire mon casque, je tire ma révérence. C'est d'une finesse, d'une élégance. J'adore. Laissez-moi vous dire, monsieur Mitterrand, que ce soir je ne suis pas le Premier ministre et que vous n'êtes pas le Président de la République. Ce soir, nous sommes deux candidats à égalité. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Magistral. Mais alors, ça, c'est... petite confidence, je suis un fan absolu de ces petites phrases qui ont fait l'histoire et qui sont... Enfin, qui pour moi en fait l'histoire, c'est génial. Dans le même genre, un grand maître des phrases qui tuent, c'était Winston Churchill. Winston. Lui, un maître de la ligne qui tue. C'était... un jour, une femme, après un meeting, lui avait dit « Monsieur Churchill, si j'étais votre épouse, je mettrais du poison dans votre thé. » Et Churchill avait répondu « Eh bien, madame, si j'étais votre époux, je le boirais. » Classe. J'adore. J'ai encore des flashs de JCVD façon Vietnam. Ça y est, ça parle, Baby Bouchette dans le chat. Oui, mais Winston, c'est... Lui, c'est un cas à part. Il en avait un nombre comme ça, mais... C'est fantastique. Et plus j'en vois, plus je fais... Oh là là, Winston. Mais Winston, mais cet art de la phrase. C'était beau. Beau. Magnifique. Après, ça pourrait être un live, hein, les grandes phrases de l'histoire. Alors, il y avait le au revoir. Je vous demande d'adresser... Oui, c'est à ça que je pensais. C'est bon, les pommes pour la santé, il les faut pour le lobby des pommes. Je vous rappelle que je suis sponsorisé par le lobby des pommes. Churchill à Chamberlain après les accords de Munich. Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. Classe. Commentaire de Churchill. Quand il a assisté au déploiement des chars, Churchill MK1. C'est quand ils ont vu que le char était aussi mauvais qu'ils lui ont donné ce nom-là. Ça lui ressemble assez. Mais enfin, c'est bon les pommes pour la santé. Parce que pour le lobby des pommes, il n'y a que cette phase de Chirac qui puisse l'accompagner correctement. Bien. Eh ben, préparation de commande, c'est beau. Chers amis, je vais pas tarder plus avant de commencer, puisque à 21h je dois vous envoyer chez Bavard et on a du pain sur la planche, il y a des pages ce soir en nombre assez conséquent. Je vous le rappelle que nous sommes donc à la 6e partie du Monde Perdu de Sir Arthur Conan Doyle. Si vous avez raté les précédentes parties, eh bien vous pouvez soit nous quitter et aller écouter toutes les différentes parties sur la page YouTube, la chaîne YouTube de l'Aube des Songes, que je vous envoie immédiatement avec la commande J'en veux plus, hop, qui vous donne aussi le lien pour le Discord si vous voulez discuter avec nous en dehors des lives. Et puis, hop. Et puis, si vous ne voulez pas nous quitter, restez avec nous, c'est très bien aussi, puisque nous allons avoir tout de suite le précédemment, qui va vous permettre de vous mettre à jour ou au moins de savoir les grandes lignes pour commencer l'histoire avec nous ce soir. Sur ce, bonne écoute à tout le monde. Je vous retrouve à la fin pour discuter un tout petit peu. Oui, il faut que je coupe. Il faut que je coupe les alertes. Albert, Albert, où es-tu, Albert? Hop. Ah, c'est bon. Je crois que je peux. Attendez, si je coupe là, non, c'est indie. Dans l'éditeur, zut. Albert, où es-tu, Albert? Hop. Alors, Albert, silence. Variation. Hop. 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 Tac. Et hop, on coupe tous les sons, voilà. On coupe également les commandes. Vous pourrez donc envoyer les commandes, mais elles ne feront plus de bruit à partir de maintenant. D'ailleurs, on teste. Ouah, bonsoir Rocken, es-tu banni ces carreaux? D'accord, bon bah... D'accord, j'ai même pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. Rocken qui a dégainé. Et bah d'ailleurs, coucou Rocken. Je suis très content de savoir que tu es de retour. Je savais pas si tu étais là lundi. Le fait de savoir que tu es là, c'est cool. Caro a dit bonjour. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Il a dit bonjour. Il s'est fait bannir. Terrible. Bien. Sur ce... Alors... Tac. Tu te lèves, tu vas au coin. Tu vas au coin là-bas. Ça n'a pas marché du tout. On fait toujours bien de vérifier. Hop. Tac. Allez hop, reteste. Ha! Ça marche. Ha! Ha! Voilà. Je vérifie juste que... Le micro n'explose pas quand je vous enverrai du son. Bref, sur ce, pouf pouf pouf, il est temps de commencer à travailler sérieusement. Corentin, cesse de être dissident, fais le travail, s'il te plaît. Tu es là pour lire des histoires, non pas pour commenter ce que tu fais. Allez hop, c'est parti. Il est temps de commencer avec le précédemment. Et sur ce, si vous le voulez bien, l'Aube des Songes commence. Précédemment, dans le Monde Perdu. Un jour, peut-être, si vous vous êtes taillé une place dans le monde, Nous reprendrons cette conversation. Le professeur Challenger ? Peut-être aurait-il été préférable pour vous que vous n'ayez jamais entendu prononcer son nom. C'est colossal. Vous êtes le Christophe Colomb de la science. Vous avez découvert un monde perdu. Voulez-vous accréditer l'un de vous, ou deux, ou trois, qui vous représenteront et qui vérifieront en votre nom mes déclarations? Je suis volontaire, monsieur le président. Je m'appelle Edward Dunn Malone. Je suis journaliste à la Daily Gazette. À partir de maintenant, c'est moi qui prends le commandement de l'expédition. Qu'est-ce que vous prétendez que ce soit? Selon toute probabilité, un ptérodactyle. Professeur Challenger, je vous dois des excuses. Je revendique l'honneur d'être le premier à mettre le pied sur la terre inconnue. Vos os blanchiront là, et personne ne saura ce que vous êtes devenus. C'est ma stupidité qui est cause de ceci. J'ai été un niais aveugle. Nous sommes exceptionnellement bien renseignés, Summerlee, sur les mœurs de ces maudits ptérodactyles. En somme, nous avons été régalés d'une magnifique exhibition de leur méthode d'assaut. Nos vies n'ont tenu qu'à un fil. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton. Lord John Roxton avait raison en supposant que les morsures des horribles bêtes qui nous avaient attaqués pouvaient être venimeuses. Le lendemain matin, Summerlee et moi souffrîmes beaucoup, avec de la fièvre, tandis que Challenger avait un genou si meurtri qu'il pouvait à peine marcher. Tout le jour, nous demeurâmes au camp. Lord John s'occupa à élever la hauteur et à renfoncer l'épaisseur des murailles épineuses qui était notre unique protection. Je me rappelle que ce jour-là, j'eus constamment l'impression que nous étions épiés. Mais je ne savais ni d'où, ni par quel observateur. Cette impression était cependant si forte que j'en parlais au professeur Challenger, mais celui-ci la porta au crédit d'une excitation cérébrale causée par la fièvre. À chaque instant, je regardais autour de nous. J'étais persuadé que j'allais apercevoir quelque chose. En fait, je ne distinguais que le bord de notre clôture ou le toit de verdure un peu solennel des arbres au-dessus de nos têtes. Et cependant, de plus en plus, mon sentiment se fortifiait. Nous étions guettés par une créature malveillante, et guettés de très près. Je méditais sur la superstition des Indiens relative à Curupuri, ce génie terrible errant dans les bois, et je commençais à me dire que sa présence sinistre devait hanter tous ceux qui envahissaient son sanctuaire. Au soir de notre troisième jour sur la terre de Maple White, nous fîmes une expérience qui nous laissa un souvenir effroyable, et nous rendîmes grâce à Lord John de ce qu'il avait fortifié notre refuge. Tous, nous dormions autour de notre feu mourant, quand nous fûmes réveillés, ou plutôt arrachés de notre sommeil, par une succession épouvantable de cris de terreur et de hurlements. Il n'y a pas de son qui puisse se comparer à ce concert étourdissant qui semblait se jouer à quelques centaines de mètres de nous. C'était aussi déchirant pour le tympan qu'un sifflet de locomotive. mais le sifflet émet un son net, mécanique, aigu. Ce bruit était beaucoup plus grave, avec des vibrations qui évoquaient irrésistiblement les spasmes de l'agonie. Nous plaquâmes nos mains contre les oreilles afin de ne plus entendre cet appel qui nous brisait les nerfs. Une sueur froide coula sur mon corps, et mon cœur se souleva. Tous les malheurs d'une vie torturée, toutes ces souffrances innombrables et ces immenses chagrins semblaient condensés dans ce cri mortel. Et puis, un octave plus bas se déclencha et roula par saccades une sorte de rire nerveux, un grondement, un gloussement de gorge qui servit d'accompagnement grotesque au hurlement. Ce duo se prolongea pendant 3 ou 4 minutes, pendant que s'agitaient dans les feuillages les oiseaux étonnés. Il se termina aussi brusquement qu'il avait commencé. Nous étions horrifiés, et nous demeurâmes immobiles jusqu'à ce que Lord John jeta sur le feu quelques brindilles. Leur lumière crépitante éclaira les visages anxieux de mes compagnons, ainsi que les grosses branches qui nous abritaient. « Qu'est-ce que c'était ?» chuchotai-je. « Nous le saurons ce matin, » répondit Lord John. « C'était tout près. » « Nous avons eu le privilège d'entendre une tragédie préhistorique. Quelque chose d'analogue au drame qui se déroulait parmi les roseaux au bord d'un lagon jurassique, lorsqu'un grand dragon, par exemple, s'abattait sur un plus petit. » nous dit Challenger d'une voix beaucoup plus grave qu'à l'accoutumée. Cela a été une bonne chose pour l'homme qu'il vienne plus tard dans l'ordre de la création. Dans les premiers âges, il existait des puissances telles que ni son intelligence, ni aucune technique n'aurait su prévaloir. Qu'aurait pu sa fronde, son gourdin ou ses flèches contre des forces dont nous venons d'entendre le déchaînement ? Même avec un bon fusil, je parierai sur le monstre. « Je crois que moi, je parierai sur mon petit camarade, » dit Lord John en caressant son express. « Mais la bête aurait certainement une bonne chance. » Summerlee leva la main en l'air. « Chut ! J'entends quelque chose !» Du silence total émergea un tapotement pesant et régulier. C'était le pas d'un animal. Le rythme lourd et doux à la fois de pas précautionneux. Il tourna lentement autour de notre campement, s'arrêta près de l'entrée. Nous entendîmes un sifflement sourd qui montait et redescendait, le souffle de la bête. Seule notre faible clôture nous séparait de ce visiteur nocturne. Nous avions tous empoigné un fusil, et Lord John avait légèrement écarté un buisson pour se tailler un créneau dans la clôture. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Je crois que je le vois. » Je m'accroupis et rampai jusqu'à lui. Par-dessus son épaule, je regardais par le trou. Oui, moi aussi je le voyais. Dans l'ombre noire de l'arbre à épices se tenait une ombre plus noire encore, confuse, incomplète, une forme ramassée, pleine d'une vigueur sauvage. Elle n'était pas plus haute qu'un cheval, mais son profil accusait un corps massif, puissant. Cette palpitation sifflante, aussi régulière qu'un moteur, suggérait un organisme monstrueusement développé. Une fois, je pense, je vis la lueur meurtrière, verdâtre de ses yeux. Il y eut un bruissement de feuillage, comme si l'animal rampait lentement vers nous. « Je crois qu'il va nous sauter dessus !» dis-je en armant mon fusil. « Ne tirez pas, ne tirez pas !» chuchota Lord John. Un coup de feu dans le silence de cette nuit serait entendu à des kilomètres à la ronde. Gardez votre fusil pour la dernière carte. S'il saute par-dessus la haie, nous sommes faits, dit Summerlee, dont la voix mourut dans un rire nerveux. Bien sûr, il ne faut pas qu'il saute, fit Lord John, mais ne tirez pas encore. Je vais peut-être avoir raison de cette brute, en tout cas je vais essayer. Il accomplit l'action la plus courageuse que jamais homme risqua devant moi. Il se pencha vers le feu, prit une branche enflammée et se glissa à travers une ouverture de secours qu'il avait aménagée dans la porte. La bête avança avec un grognement terrifiant. Lord John n'hésita pas une seconde, il courut vers elle et lui jeta à la gueule le brandon enflammé. L'espace d'une seconde, j'eus la vision d'un masque horrible, d'une tête de crapaud géant, d'une peau pleine de verrues, d'une bouche dégoûtante de sang frais. Aussitôt, les fourrés retentirent de craquements, et l'apparition sinistre s'évanouit. « Je pensais bien qu'il n'affronterait pas le feu !» dit Lord John en riant. « Vous n'auriez jamais dû prendre un tel risque !» nous écriâmes-nous tous d'une même voix. « Il n'y avait rien d'autre à faire. S'il avait sauté sur nous, ça aurait été un beau massacre. Nous nous serions entretués en essayant de le descendre. D'autre part, si nous avions tiré par-dessus la haie, en le blessant seulement, il nous aurait bondi dessus, et Dieu sait quelle aurait été sa première victime. Dans le fond, nous ne nous en sommes pas mal tirés. Au fait, qu'est-ce que c'était? Nos savants se regardèrent en marquant un temps d'hésitation. Personnellement, je suis incapable de classer cet animal avec une certitude scientifique, dit Summerlee en allumant sa pipe à un tison du feu. En refusant de vous compromettre, vous témoignez d'un esprit véritablement scientifique, admit Challenger du haut d'une condescendance massive. Moi-même, je ne suis pas non plus disposé à aller au-delà de l'hypothèse suivante. Nous nous sommes trouvés en contact cette nuit avec un animal de type dinosaure carnivore. D'ailleurs, j'avais déjà envisagé l'existence sur ce plateau d'animaux semblables. Nous devons garder à l'esprit, observa Summerlee, le fait que de nombreux types préhistoriques ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. Il serait téméraire de supposer que nous sommes en mesure de donner un nom à tout ce que nous sommes susceptibles de rencontrer ici. Parfaitement. Une classification sommaire, voilà ce que nous pouvons faire de mieux pour l'instant. Remarquez que demain, de nouvelles indications mèneront peut-être jusqu'à l'identification. En attendant, pourquoi ne reprendrions-nous pas le cours de notre sommeil interrompu ? À condition qu'il y ait une sentinelle, répondit Lord John. Nous ne devons rien laisser au hasard dans un pays comme celui-là. À l'avenir, chacun montera une garde de 2 heures. Alors je prends la première, puisque ma pipe n'est pas terminée, déclara le professeur Summerlee. Depuis cet incident, nous acceptâmes de nous plier à cette règle avec discipline. Au matin, nous ne tardâmes pas à découvrir la cause de l'affreux vacarme qui nous avait réveillés. La clairière aux iguanodons était transformée en boucherie. D'après les mares de sang et les lambeaux de viande éparpillés sur la pelouse verte, nous supposâmes d'abord que plusieurs animaux avaient été massacrés. Mais, en examinant de près les débris, nous constatâmes qu'ils provenaient tous de l'un de ces monstres, qui avait été littéralement déchiqueté par un autre animal, peut-être pas plus gros, mais indubitablement plus féroce. Nos 2 professeurs s'assirent pour en discuter. Ils examinèrent lambeau après lambeau, et cet examen mit en évidence des marques de dents furieuses ainsi que des mâchoires énormes. Nous devons encore suspendre notre jugement, dit le professeur Challenger, qui avait posé sur son genou un gros morceau de viande blanchâtre. Tout nous suggère la présence d'un tigre aux dents de sabre, tel qu'on en trouve dessiné dans quelques cavernes. Mais l'animal que nous avons aperçu présentait sans aucun doute une forme plus grosse et plus reptilienne. Personnellement, je pencherais pour un allosaure. Ou un mégalosaure, dit Summerlee. Très juste. N'importe lequel des grands dinosaures carnivores ferait l'affaire. C'est chez eux que l'on trouve les types les plus dangereux de la vie animale, ceux qui reçoivent la malédiction des hommes et la bénédiction des savants. Il éclata d'un rire sonore, fort content de sa dernière phrase. « Un peu moins de bruit, s'il vous plaît !» intervint Lord John. « Nous ignorons ce qui se tient aux alentours. Si notre assassin revient ici pour chercher son petit déjeuner, et si nous excitons son appétit, nous n'aurons pas à rire. » À propos, qu'est-ce que c'est que cette marque sur la peau de l'iguanodon? Sur la peau squameuse, couleur d'ardoise, du côté de l'épaule, plutôt au-dessus, Lord John désigna une circonférence noire qu'on aurait pu croire dessinée avec du goudron minéral. Personne ne put fournir une explication. Seul Summerlee déclara qu'il croyait bien avoir vu quelque chose de semblable sur l'un des jeunes que nous avions découvert l'avant-veille. Challenger se tut, mais il avait le regard suffisant et provoquant, comme il savait l'avoir quand il le voulait. Lord John lui demanda abruptement de formuler un avis. « Si votre seigneurie a la bonté de me permettre d'ouvrir la bouche, je serai heureux d'exprimer mon opinion, » prononça Challenger avec un ton volontairement sarcastique. « Je ne suis pas habitué à travailler de la façon à laquelle votre seigneurie est accoutumée. Je ne savais pas qu'il était nécessaire de vous demander la permission de sourire à une plaisanterie inoffensive. » Il fallut attendre que notre ami lui présentât des excuses pour qu'il se sentît apaisé. Alors, assis sur un tronc d'arbre couché, il consentit à nous faire un cours avec autant de vanité que s'il s'adressait à un amphithéâtre bourré d'un millier d'élèves. « En ce qui concerne la marque, dit-il, j'incline à partager l'opinion de mon ami et collègue le professeur Summerlee. Elle a été faite à l'aide de goudron minéral. Ce plateau est, par essence, hautement volcanique. D'autre part, l'asphalte est une substance que l'on associe avec des forces plutoniques. Je ne peux guère hésiter. Le goudron minéral, ou asphalte, existe ici à l'état de liquide libre, et cet animal a pu s'en enduire. Un problème beaucoup plus important concerne l'existence du monstre carnivore qui a laissé dans la clairière de telles traces sur son passage. Nous savons que ce plateau a la surface approximative d'un comté anglais moyen. À l'intérieur de cet espace restreint, un certain nombre d'animaux, pour la plupart des représentants de races qui ont disparu dans le monde d'en bas, vivent ensemble depuis des siècles innombrables. Au cours d'une aussi longue période, on aurait pu s'attendre à ce que les animaux carnivores, en se multipliant, eussent épuisé leurs moyens de se nourrir et qu'ils se fussent trouvés dans l'obligation ou de transformer leur mode d'alimentation ou de mourir d'inanition. Nous voyons qu'il n'en a pas été ainsi. Nous pouvons donc imaginer une seule chose. Que l'équilibre naturel est conservé par une sorte de contrôle qui limite le nombre de ces animaux féroces. L'un des problèmes les plus intéressants, par conséquent, et qui requiert de notre part une solution, consiste à découvrir quel est ce contrôle et comment il opère. Je me hasarderai jusqu'à prévoir que des occasions ultérieures, pour une étude plus serrée des dinosaures carnivores, ne nous manqueront pas. Et je me hasarde, moi, jusqu'à prévoir que nous aurons du mal à faire profiter la science de ces occasions-là, dis-je. Le professeur se contenta de lever ses gros sourcils. J'avais déjà vu des maîtres d'école embarrassés réagir de même devant l'observation impertinente d'un mauvais élève. Peut-être le professeur Summerlee a-t-il une remarque à présenter? Murmura aimablement le professeur Challenger. Alors, les deux savants se haussèrent ensemble au niveau d'une atmosphère scientifique raréfiée en oxygène où les possibilités d'une modification du taux des naissances étaient mises en balance avec la déficience croissante des moyens d'existence. Longuement, ils débattirent de la lutte pour la vie. Dans la matinée, nous établîmes la carte d'une petite partie du plateau en prenant bien soin d'éviter le marais aux ptérodactyles et en nous tenant à l'est du ruisseau au lieu de l'ouest. De ce côté, le pays était couvert de bois très épais et les fourrés entravaient considérablement notre marche. J'ai surtout parlé jusqu'ici des horreurs de la terre de Maple White. Mais elle ne nous présentait pas que des spectacles hideux. Par exemple, nous nous promenâmes parmi de fort jolies fleurs, la plupart jaunes ou blanches, et nos professeurs nous expliquèrent que le blanc et le jaune étaient les couleurs primitives des fleurs. Dans de nombreux endroits, le sol était vraiment recouvert par leur tapis, et nous enfoncions jusqu'aux chevilles. Autour de nous bourdonnaient nos abeilles d'Angleterre. Des arbres sous lesquels nous passions avaient des branches courbées par le poids des fruits qu'elles portaient. Certains de ces fruits nous étaient familiers, d'autres inconnus. En observant quels étaient ceux que picoraient les oiseaux, nous évitions tout danger d'empoisonnement et notre cueillette enrichit nos provisions d'une variété délicieuse. Dans la jungle que nous traversâmes, il y avait de nombreuses pistes taillées par des bêtes sauvages. Dans les marais, nous relevâmes quantité d'empreintes étranges, y compris celles des iguanodons. Une fois, dans un bosquet, nous eûmes le loisir de contempler plusieurs de ces gros animaux en train de se repaître. Lord John, grâce à ses jumelles, nous informa qu'ils étaient aussi tachetés de goudron minéral, mais à un autre endroit. Nous fûmes incapables d'imaginer la signification de ce phénomène. Nous vîmes de petits animaux, tels que des porcs-épics, un scameux fourmilier, un cochon sauvage de couleur pie avec des crocs recourbés. À travers une brèche dans les arbres, nous repérâmes le talus verdoyant d'une colline lointaine sur lequel galopait un animal de bonne taille et brun foncé. Il passa si vite que nous ne pûmes l'identifier. Si c'était un cerf, comme nous l'affirma Lord John, il devait être aussi gros que ces énormes élans irlandais dont on retrouve de temps à autre des fossiles dans les fondrières de ma terre natale. Depuis la mystérieuse visite qu'avait reçue notre campement, nous ne rentrions jamais sans quelque inquiétude. Pourtant, ce soir-là, nous ne trouvâmes aucun désordre. Nous entamâmes un grand débat sur notre situation et sur nos projets d'avenir, dont je dois retracer les grandes lignes, puisqu'il aboutit à un nouveau départ qui nous permit de parfaire notre information sur la terre de Maple White en moins de temps qu'il ne nous en aurait fallu si nous avions voulu tout explorer. Ce fut Summerlee qui parla le premier. Toute la journée, il avait manifesté une humeur querelleuse, et je ne sais quelle remarque de Lord John quant à notre emploi du temps du lendemain mit le comble à son acidité. Tout ce que nous devrions faire aujourd'hui, demain et les jours suivants, commença-t-il, serait de découvrir un moyen de sortir de cette nasse où nous sommes emprisonnés. Vous êtes tous en train d'actionner vos cervelles pour déterminer comment pénétrer dans ce pays. Je dis, moi, que nous devrions les occuper à trouver le moyen d'en sortir. Je suis surpris, monsieur, tonna Challenger en agitant sa barbe majestueuse, qu'un homme de science se laisse aller à un sentiment aussi ignoble. Vous êtes dans un pays qui offre tant d'attrait à un naturaliste, que dis-je, qui offre plus d'attrait que jamais pays n'en offrit depuis que le monde est monde, et vous suggérez de le quitter avant que nous en ayons acquis une connaissance très superficielle. Je m'attendais à mieux de votre part, professeur Summerlee. Vous devriez vous rappeler, répondit Summerlee, que j'ai à Londres une grande classe qui est à présent à la merci d'un locum tenens d'une médiocrité affligeante. Voilà la différence qui existe entre nous, professeur Challenger, puisqu'ici vous n'avez pas mérité qu'on vous confie une tâche éducative. En effet, dit Challenger, j'aurais considéré comme un sacrilège de distraire un cerveau doué pour des recherches absolument originales et de lui assigner des tâches mineures. Voilà pourquoi je me suis toujours opposé à entreprendre un enseignement scolastique. Ah, ah, vraiment, ricana Summerlee. Lord John se hâta de faire dévier la conversation. « Je trouve, pour ma part, dit-il, que ce serait bien triste de regagner Londres sans savoir plus de choses sur ce pays. Jamais je n'oserais retourner à mon bureau et affronter ce vieux McArdle, renchéris-je. Vous me pardonnerez la franchise de mon propos, n'est-ce pas, monsieur? Il ne me pardonnerait pas d'avoir négligé une importante partie de la copie qu'il attend de moi. Par ailleurs, je ne vois pas pourquoi nous discutons puisqu'il n'existe aucun moyen de redescendre. Notre jeune ami comble certaines déficiences mentales évidentes par une bonne petite dose de bon sens primitif, observa Challenger. Les intérêts de sa profession détestable nous échappent, mais comme il le fait remarquer, nous ne disposons d'aucun moyen pour redescendre. En discuter représenterait donc un gaspillage d'énergie. C'est gaspiller de l'énergie que de vouloir faire quelque chose d'autre, grogna Summerlee derrière sa pipe. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes venus ici dans un but bien précis, pour accomplir une mission qui nous avait été confiée par l'Institut de zoologie de Londres. Cette mission consistait à vérifier les dires du professeur Challenger. Ces dires se trouvent, je le certifie, hautement confirmés. Notre travail est donc achevé. Quant aux détails qui méritent d'être approfondis sur la vie du plateau, il s'agit là d'une besogne si considérable que seule une grosse expédition pourvue d'un équipement spécial pourrait en venir à bout. Si nous l'entreprenons nous-mêmes, nous avons toute chance pour que nous ne rentrions jamais et pour que la science soit privée de l'importante contribution que nous avons déjà en main. Le professeur Challenger a trouvé le moyen de nous amener sur ce plateau réputé inaccessible. Je crois que nous devrions maintenant lui demander d'user de la même ingéniosité pour qu'il nous permette de retourner dans le monde d'où nous sommes venus. Je confesse que l'opinion de Summerlee me parut raisonnable. Challenger lui-même parut affecté par l'idée que ses ennemis ne s'avoueraient jamais battus si personne ne rentrait pour confirmer ses thèses. À première vue, le problème de notre descente constitue une énigme formidable, dit-il. Pourtant, je ne doute pas que l'intelligence parvienne à le résoudre. Je suis disposé à me ranger à l'avis de notre collègue. Un séjour prolongé sur la terre de Maple White serait à présent une erreur. Par conséquent, le problème de notre retour doit être tôt ou tard envisagé. Je me refuse toutefois formellement à quitter ce pays sans l'avoir au moins examiné superficiellement, sans que nous soyons à même de ramener avec nous un semblant de carte. Le professeur Summerlee renifla d'impatience. « Nous avons passé 2 longs jours à explorer, dit-il. Et nous ne sommes pas plus avancés dans la description géographique du lieu qu'à notre départ. Il est clair que ces bois sont très épais, et qu'il faudrait des mois pour en pénétrer tous les secrets. S'il y avait ici une sorte de montagne centrale, ce serait différent. Mais tout est en pente descendante, d'après ce que nous avons vu. Plus nous avancerons, et moins nous aurons de vue d'ensemble. » Ce fut à cet instant que j'eus ma minute d'inspiration. Mes yeux se posèrent par chance sur l'énorme tronc noueux de l'arbre à épices qui étendait au-dessus de nous ses branchages. Puisque ce tronc était plus gros que les autres, sa hauteur devait dépasser celle des autres également. Si la bordure du plateau était réellement son point culminant, alors pourquoi cet arbre ne pourrait-il pas servir d'observatoire qui commanderait tout le pays? Depuis mon enfance en Irlande, j'avais toujours été un casse-cou dès qu'il s'agissait de grimper à un arbre. Mes compagnons pouvaient me battre sur les rochers, mais dans les branches, je me savais invincible. Si je pouvais seulement prendre pied sur les plus basses de ce géant, je parierais bien n'importe quoi que j'arriverais au fait. Mes camarades se déclarèrent enchantés par ma proposition. « Notre jeune ami, » commenta Challenger en gonflant les pommes rouges de ses joues, « est capable d'exercices acrobatiques devant lesquels reculerait un homme d'apparence plus robuste et plus respectueux de sa propre dignité. J'applaudis à son idée. »« Bébé !» « C'est une idée de génie !» s'écria Lord John en me tapant dans le dos avec enthousiasme. « Dire que nous n'y avions pas pensé !» Il ne nous reste plus qu'1 heure de jour, mais si vous emportez un carnet, vous pourrez dessiner une carte grossière de l'endroit. Empilons ces caisses de munitions, et je parviendrai bien à vous hisser sur la première branche. » Il monta sur les caisses pendant que moi, je faisais face au tronc. Il me souleva doucement, mais Challenger surgit et de sa grande main me poussa si fort qu'il faillit me faire tomber. J'agrippais la branche et je jouais des pieds jusqu'à ce que j'eusse réussi à faire passer mon buste puis mes genoux. Au-dessus de ma tête, il y avait 3 excellents rejetons disposés comme les barreaux d'une échelle, puis une grande quantité de branchages, si bien que je grimpais à toute vitesse. Je ne tardais pas à perdre de vue le sol, dont me séparait un écran de feuillage. 2 ou 3 fois, je dus surmonter quelques difficultés. Notamment, il me fallut grimper pendant 3 bons mètres à la force des bras et des jambes. Mais je progressais, et le tonnerre de la voix de Challenger ne me parvenait plus que faiblement. L'arbre était vraiment immense. J'avais beau regarder en l'air, je n'entrevoyais toujours pas la moindre éclaircie dans le feuillage. Je me trouvais devant une sorte de buisson épais qui me sembla être une plante parasite sur la branche où je m'agitais. Je tournai la tête pour voir ce qui était derrière ce buisson, et, devant ce que j'aperçus, je manquai choir de l'arbre. à 30 ou 40 centimètres de mon visage, une figure me regardait. La créature à qui elle appartenait était accroupie derrière la plante parasite et elle avait tourné la tête au même moment que moi. C'était une figure humaine, ou du moins qui ressemblait bien plus à une figure d'homme qu'à n'importe quelle face de singe. Elle était allongée, blanchâtre, parsemée de pustules, avec un nez aplati, une mâchoire inférieure proéminente et quelque chose comme des favoris autour du menton. Les yeux, sous des sourcils épais et lourds, avaient un regard bestial et féroce. La bouche s'entr'ouvrit pour un reniflement qui m'avait tout l'air d'une malédiction et exhiba des canines pointues et recourbées. Pendant un instant, je lus clairement de la haine et une menace dans son regard. Puis, ces sentiments firent place à une peur incontrôlable, folle. La créature plongea désespérément dans la verdure des feuilles, cassa 2 ou 3 branches. J'aperçus un corps poilu, comme celui d'un cochon rougeâtre, qui disparut. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Roxton d'en dessous. « Quelque chose qui ne va pas ?»« Vous l'avez vu ?» hurlai-je, cramponné à ma branche et les nerfs à vif. « Nous avons entendu un bruit, comme si votre pied avait glissé. Qu'est-ce que c'était ?» J'étais si bouleversé par l'apparition de cet homme singe que j'hésitais. Allais-je redescendre pour conter la chose à mes compagnons, ou poursuivrais-je mon ascension? J'étais déjà parvenu si haut que je reculai devant l'humiliation de redescendre sans avoir mené à bien ma mission. Après une pause qui me servit à récupérer mon souffle et mon courage, je me remis à grimper. Une fois, je dus me rattraper de justesse par les mains, car une branche pourrie avait cédé, mais dans l'ensemble, ce ne fut pas une ascension difficile. Progressivement, les feuillages s'éclaircissaient, et le vent qui me balayait la figure m'avertissait que j'étais presque au fait du plus haut des arbres de la forêt. Mais j'avais résolu de ne pas inspecter les environs avant d'avoir atteint le point le plus élevé. Aussi, je fis des pieds et des mains, c'est le cas de le dire, pour arriver à la dernière branche. Elle se courba sous mon poids, mais je repris mon équilibre et, dans une sécurité relative, je pus contempler le merveilleux panorama de cet étrange pays. Le soleil allait disparaître derrière l'horizon. La soirée était particulièrement claire et lumineuse. De mon observatoire, je dominais toute l'étendue du plateau. Il m'apparut ovale. Sa largeur pouvait être approximativement de 30 km et sa longueur de 45. Il avait l'aspect général d'un entonnoir peu profond, dont tous les côtés convergeaient vers un lac central fort étendu. Le tour de ce lac représentait bien 15 km. Ses eaux vertes se détachaient nettement dans le crépuscule. Elles étaient bordées d'une ceinture de roseaux. Quelques bancs de sable jaune émergeaient, comme pour servir de socle à des objets noirs allongés, trop gros pour être des alligators et trop longs pour des canots. À l'aide de mes jumelles, je pus constater que ces objets étaient des animaux vivants, mais je fus incapable de les identifier. Du côté du plateau où nous nous trouvions, des pentes boisées avec quelques éclaircies s'étendaient sur une dizaine de kilomètres jusqu'au lac central. Presque à mes pieds, je voyais la clairière aux iguanodons. Plus loin, une ouverture ronde dans les arbres indiquait le marais aux ptérodactyles. Sur le côté qui me faisait face, le plateau présentait un aspect fort différent. Là, les escarpements basaltiques de l'extérieur se prolongeaient à l'intérieur pour former une crête qui dominait de 60 mètres une pente douce boisée. Tout le long de ces escarpements rouges, vers la base et à quelque distance du sol, je distinguais à la jumelle des trous sombres, sans doute des orifices de cavernes. Au bord de l'un d'eux, quelque chose de blanc miroitait, mais je n'en sus pas davantage. je m'assis le plus confortablement possible pour dresser la carte du pays, mais bientôt, le soleil ayant disparu, il fit trop sombre et les détails s'évanouirent. Alors, je redescendis vers mes compagnons qui m'attendaient impatiemment au bas du grand arbre à épices. Pour une fois, j'étais le héros de l'expédition. C'était moi seul qui avais eu cette idée, moi seul qui l'avais exécutée. Et je ramenais une carte qui nous épargnait un mois d'enquête aveugle parmi des dangers inconnus. Tous me serrèrent chaleureusement et sérieusement la main. Mais avant d'entrer dans les détails topographiques, je leur racontai ma rencontre avec l'homme singe dans les branches. « Et il y a longtemps qu'il était là, » ajoutai-je. « Comment le savez-vous » interrogea Lord John. « J'ai toujours eu le sentiment que quelque chose de malveillant nous épiait. Je vous l'avais dit, professeur Challenger. »« Notre jeune ami m'a effectivement parlé dans ce sens. Et il est également celui d'entre nous qui possède le tempérament du Celte, si ouvert à de telles impressions. » Toute la théorie de la télépathie, commença Summerlee derrière sa pipe, est trop vaste pour que nous en discutions maintenant. Interrompit Challenger avec décision. « Dites-moi, » ajouta-t-il avec le ton d'un évêque qui questionne un enfant du catéchisme, « avez-vous pu remarquer si cette créature croisait son pouce par-dessus la paume de ses mains ?»« Ma foi, non. »« Avait-elle une queue ?»« Non. »« Le pied était-il prenant ?» Je ne crois pas qu'il aurait pu disparaître si vite dans les branchages s'il n'avait pas eu les pieds prenants. Dans l'Amérique du Sud, il y a, si ma mémoire ne me joue pas de tour, vous rectifierez cette observation s'il y a lieu, professeur Summerlee, 36 espèces de singes, mais le singe anthropoïde y est inconnu. Il est évident toutefois qu'il existe dans ce pays et qu'il n'appartient pas à la variété velue, goriesque, qui n'a jamais été décelé hors de l'Afrique ou de l'Orient. Je réprimai une forte envie de faire remarquer que j'avais vu dans le zoo de Kensington le cousin germain du professeur, et je le laissai poursuivre. « Notre jeune ami a eu affaire avec un spécimen sans couleur définie et moustachu. Cette imprécision dans la couleur est due au fait qu'il vit dans l'ombre des arbres. Toute la question est de savoir s'il est plus proche de l'homme que du singe, ou inversement. S'il est plus proche de l'homme que du singe, il ressemblerait alors à ce que le vulgaire appelle « l'anneau manquant ». Notre devoir le plus immédiat est de résoudre ce problème. « Pas du tout !» répliqua Summerlee. « À partir du moment où, grâce à l'intelligence et à l'esprit pratique de M. Malone, je ne résiste pas au plaisir de citer ses propres termes. Nous possédons une carte. Notre devoir le plus immédiat consiste à nous tirer de cette aventure sains et saufs, donc à quitter au plus tôt cet affreux pays. Un berceau de civilisation, gémit Challenger. Mais nous avons le devoir de relater ce que nous avons vu et de laisser à d'autres le soin d'exploration ultérieure. Vous étiez tous d'accord avant que M. Malone nous ramenât la carte. Soit, dit Challenger. Je reconnais que mon esprit sera plus tranquille quand j'aurai l'assurance que le résultat de notre expédition sera communiqué à nos amis. Mais comment sortirons-nous d'ici? Je n'en ai pas encore la moindre idée. Il est vrai que je n'ai jamais affronté un problème que mon cerveau ait été incapable de résoudre. Je vous promets donc que dès demain, je me pencherai bel et bien sur la question de descendre. La discussion en resta là. Mais ce même soir, à la lumière d'un feu de camp et d'une bougie, la première carte du monde perdu fut dessinée. Tous les détails que j'avais grossièrement notés du haut de mon observatoire furent reportés à leur emplacement respectif. Challenger fit errer son crayon au-dessus du grand blanc qui figurait le lac. « Comment l'appellerons-nous » demanda-t-il. « Pourquoi pas ne sauterions-nous pas sur l'occasion de perpétuer notre nom ?» proposa Summerlee avec son acidité habituelle. « Je crois, monsieur, que mon propre nom revendiquera d'autres créances sur la postérité, » répondit sévèrement Challenger. « N'importe quel ignorant peut imposer le souvenir inefficace de son nom sur une plaine ou sur un pic. Je n'ai pas besoin d'un tel monument. » Summerlee aiguisait son sourire pour lancer une nouvelle pointe, mais Lord John intervint. « C'est à vous, bébé, de baptiser ce lac, » me dit-il. « Vous avez été le premier à le voir, et, ma foi, si vous désirez l'appeler lac Malone, personne n'y trouvera à dire. »« Très juste !» s'écria Challenger. « À notre jeune ami de lui trouver un nom !» Alors, dis-je en rougissant, appelons-le lac Gladys. « Vous ne pensez pas, observa Summerlee, que lac central serait plus évocateur ? » « Je préférerais lac Gladys. » Challenger me lança un coup d'œil de sympathie et secoua ironiquement sa grosse tête. « Ah ! Les enfants seront toujours des enfants. Allons-y pour le lac Gladys. » J'ai raconté, ou peut-être ne l'ai-je pas dit, car ma mémoire n'est pas très fidèle ces jours-ci, que j'avais été extrêmement flatté quand mes trois compagnons m'avaient remercié d'avoir sauvé la situation, ou du moins, de l'avoir grandement améliorée. J'étais le Benjamin de l'équipe, le plus jeune sur les plans non seulement de l'âge, mais aussi de l'expérience, du caractère, du savoir, de tout ce qui fait un homme. Aussi avais-je été quelque peu éclipsé au début. Mais maintenant, j'entrais en possession de ma personnalité. Cette idée me réchauffait le cœur. Hélas, ce contentement vaniteux accrut la confiance que je me portais, et il s'ensuivit la plus atroce aventure de ma vie, une commotion qui me soulève encore le cœur quand j'y pense. Voilà les faits. J'avais été exagérément excité par mes découvertes aux fêtes de l'arbre, et le sommeil me fuyait. Summerlee était de garde. Il était assis auprès de notre petit feu, voûté, sec, pittoresque avec sa barbiche pointue qui s'agitait au moindre geste de la tête. Lord John, enveloppé dans son poncho sud-américain, était allongé en silence. Challenger alternait le roulement du tonnerre avec une maigre crécelle. Ses ronflements se répercutaient dans les bois. La pleine lune brillait, l'air était frisquet, Quelle nuit idéale pour la marche! Soudain, une pensée me traversa l'esprit. Pourquoi pas? Si je sortais furtivement? Si je descendais jusqu'au lac central? Si je rentrais à l'heure du petit déjeuner avec un bon rapport sur les lieux? Ne serais-je pas alors un associé valable? Définitivement valable? Si Summerlee gagnait la bataille et si un moyen de descendre était trouvé, nous reviendrions à Londres avec une connaissance directe de tous les mystères du centre du plateau où moi seul, parmi tous les hommes, j'aurais pénétré. Je pensais à Gladys, à sa phrase. Tout autour de nous, des héroïsmes nous invitent. Il me semblait encore l'entendre. Je songeais aussi à McArdle. Quelle magnifique 3 colonnes dans le journal! Quel départ pour ma carrière! Lors de la prochaine guerre, je serais sûrement désigné comme correspondant aux armées. Je saisis un fusil et, mes poches pleines de cartouches, j'écartai les buissons épineux à la porte de notre zaréba et je me trouvai dehors. Mon dernier regard à l'intérieur me prouva que Summerlee était la plus négligente des sentinelles. Mécaniquement, il dodelinait de la tête au-dessus du feu dans une inconscience totale. Je n'avais pas franchi une centaine de mètres que je commençais à me repentir de mon audace. Je crois l'avoir déjà dit. Je suis trop imaginatif pour être réellement courageux. Mais d'autre part, ce que je redoute le plus, c'est de paraître avoir peur. Voilà la force qui me poussa à avancer malgré tout. Je ne pouvais plus rentrer au camp sans résultat. Même si mes camarades ignoraient tout de mes faiblesses, mon âme serait toujours ternie par le souvenir intolérable d'une lâcheté. Réflexion qui ne m'empêchait pas de frissonner, étant donné la position où je m'étais placé. J'aurais volontiers donné tout ce que je possédais pour m'être acquitté de ma mission. C'était épouvantable dans la forêt. Les arbres poussaient si serrés, leur feuillage s'étendait sur une telle largeur et si haut que je ne voyais même plus le clair de lune, sauf par endroits où les branches légèrement écartées me permettaient d'apercevoir le ciel en filigrane. Quand les yeux s'habituent à l'obscurité, on apprend qu'il existe différentes formes, divers degrés dans le noir des arbres. Certains de ceux-ci étaient confusément visibles. Entre eux, je vis des plaques noires comme du charbon, qui pouvaient être des orifices de caverne, et je m'en écartai avec horreur. Je me rappelai le cri désespéré de l'iguanodon mis à la torture, ce cri de mort dont l'écho avait ameuté les bois. Je pensais aussi à la vision que m'avait offert la torche enflammée de Lord John. Un mufle bouffi, postuleux, bavant le sang. J'arpentais maintenant son terrain de chasse. À tout instant, il pouvait surgir de l'ombre et me sauter dessus, ce monstre horrible hors de toute classification zoologique. Je m'arrêtai, pris une cartouche dans ma poche et ouvris la culasse de mon fusil. En touchant le levier, mon cœur vacilla. C'était le fusil de chasse, et non un fusil d'arme que j'avais emporté. De nouveau, je faillis revenir en arrière. N'avais-je pas là une excellente excuse pour ma défaillance? Personne ne s'aviserait de me donner tort, et pourtant, mon fol orgueil l'emporta. Je ne pouvais pas, je ne devais pas reculer. Après tout, un vrai fusil ne m'aurait guère été plus utile en face des dangers qui me guettaient. Si je revenais au camp pour changer d'arme, je ne pourrais pas rentrer, c'est sortir sans être vu. Je serais alors obligé de m'expliquer et c'en serait fini de mes tentatives personnelles. Après une hésitation que chacun comprendra, je repris courage et ma route avec mon fusil inutile sous le bras. L'obscurité de la forêt avait été épouvantable, mais pire était la blanche et fade lumière de la lune sur la clairière aux iguanodons. Caché derrière un buisson, je la regardais. Aucune des grandes brutes dont nous avions fait connaissance n'était en vue. Peut-être la tragédie qui s'était abattue sur l'un d'eux les avait-il décidés à partir ailleurs? Dans cette nuit brumeuse et argentée, rien ne donnait signe de vie. Je m'enhardis donc, traversai rapidement la clairière et suivis le ruisseau à travers la jungle. Le joyeux compagnon que j'avais là, il glougloutait, chantait, comme cette chère rivière truite de mon pays où, dans mon enfance, j'avais si souvent pêché la nuit. En le suivant, j'arriverais sûrement au lac. Et, en le suivant à mon retour, je retrouverais non moins sûrement le Fort Challenger. Souvent, je le perdais de vue quand il courait sous les buissons et les fourrés, mais sa chanson cristalline me ramenait invinciblement vers lui. Au fur et à mesure que je descendais la pente, les bois s'éclaircissaient et les arbustes entourant occasionnellement de gros arbres avaient remplacé la forêt. Je progressais donc rapidement, car je pouvais voir sans être vu. En passant près du marais aux ptérodactyles, un grand battement d'ailes se fit entendre. L'un de ces grands animaux, son envergure pouvait avoir 8 mètres, s'était envolé non loin et planait dans les airs. Il passa entre la lune et moi. La lumière de la lune brillait à travers ses ailes membraneuses. On aurait dit un squelette volant. Je m'accroupis parmi les buissons, car une expérience récente m'avait appris qu'un simple cri de cette brute rassemblerait 100 de ses congénères maudits. J'attendis qu'il se fût éloigné pour poursuivre ma marche en avant. La nuit jusqu'ici avait été extrêmement calme, mais je ne tardais pas à entendre quelque part devant moi un grondement sourd, un murmure continuel. Plus je m'avançais, plus ce bruit augmentait d'intensité. Lorsque je m'arrêtais, il ne cessait pas et demeurait constant. Il semblait donc provenir d'une source immobile. J'essayais de lui trouver une comparaison. Peut-être une casserole en ébullition? Bientôt, je découvris ce dont il s'agissait. Au milieu d'une petite clairière, je trouvai un lac, ou plutôt un étang, car il n'était pas plus grand que le bassin de la fontaine de Trafalgar Square, mais la matière qu'il contenait était noire, noire comme de la poix, et sa surface se soulevait, puis retombait sous forme de grosses bulles de gaz qui crevaient. Au-dessus, l'air miroitait sous la chaleur, et tout autour, la terre était brûlante. Je ne pouvais même pas poser ma main dessus. Il était évident que la grande explosion volcanique qui avait soulevé ce singulier plateau il y avait si longtemps n'avait pas tout à fait épuisé ses forces. Des rocs noircis, des monceaux de lave nous étaient souvent apparus au milieu de la végétation luxuriante, mais cette mare de goudron dans la jungle était le premier symptôme que nous possédions de la persistance d'activité sur les pentes de l'ancien cratère. Je n'avais pas le temps de l'examiner plus attentivement, car je devais me hâter pour être dès l'aube de retour au campement. Ce fut une promenade extraordinaire, dont je conserverai le souvenir jusqu'à mon dernier jour. Lorsque je rencontrais des clairières baignées de lune, je les contournais. En rampant dans l'ombre. Dans la jungle, je marchais presque à 4 pattes et stoppais le cœur battant quand j'entendais des bruits de branches cassées que provoquait sans doute le passage de grosses bêtes. De temps à autre, de grandes silhouettes surgissaient indistinctement dans la nuit et disparaissaient. Des silhouettes massives, silencieuses, qui rôdaient pour leur chasse sans faire de bruit. Le nombre de fois où je m'arrêtais pour me répéter qu'aller plus avant serait une folie est incalculable. Cependant, l'orgueil l'emporta sur la peur, et chaque fois je repartis en avant pour atteindre mon but. Enfin, à ma montre, il était 1 heure du matin, je vis de l'eau qui brillait à travers le bout de ma jungle. 10 minutes plus tard, j'étais devant les roseaux qui ceinturaient le lac central. J'avais très soif. Je me penchai au-dessus de l'eau et j'en bus plusieurs gorgées. Elle était glacée. À l'endroit où je me trouvais, il y avait une sorte de piste large avec toutes sortes de traces et d'empreintes. Sans aucun doute, j'étais devant l'abreuvoir naturel des hôtes terribles et mystérieux de ce plateau. Au bord du lac se dressait un gros bloc de lave isolé. Je l'escaladai et j'eus ainsi une vue très complète des environs. La première chose que je distinguai me remplit de stupéfaction. Quand j'avais décrit le panorama que j'avais observé du haut de mon grand arbre, j'avais dit que sur l'escarpement j'avais repéré un certain nombre de taches noires que j'avais assimilées à des entrées de cavernes. Maintenant, en regardant vers ces mêmes rochers, je voyais des disques lumineux orientés dans toutes les directions, comme les hublots d'un transatlantique la nuit. Pendant un moment, je crus qu'il s'agissait d'éclats de lave provenant d'une action volcanique quelconque, mais c'était impossible. Une action volcanique se produirait dans un creux, et non à mi-hauteur de l'escarpement. Alors, quelle hypothèse hasardée? Une seule, qui était merveilleuse, mais qui devait être vraie. Ces taches rougeâtres devaient être des reflets de feu à l'intérieur des cavernes, de feu que seul pouvait allumer la main de l'homme. Il y avait donc des êtres humains sur le plateau. Ah! Comme mon expédition s'en trouvait justifiée! Que de nouvelles à rapporter à Londres! Un bon moment, je demeurai à contempler ces taches rouges, frissonnantes de lumière. Je suppose qu'elles devaient se situer à une 15aine de kilomètres de là, mais même à cette distance, je pouvais remarquer que, par intervalles, elles clignotaient ou s'occultaient comme si quelqu'un passait devant elles. Que j'aurais voulu donc pouvoir ramper jusque-là, jeter un œil indiscret par l'ouverture de ces cavernes et faire à mes compagnons un rapport circonstancié sur l'aspect et le caractère de la race qui vivait dans un endroit aussi étrange. Il n'en était pas question pour l'instant. Mais pouvions-nous quitter le plateau sans avoir éclairci ce point capital? Le lac Gladys, mon lac, s'étendait devant moi telle une nappe de mercure. La lune s'y reflétait paisiblement en son centre. Il était peu profond, car plusieurs bancs de sable émergeaient au-dessus de l'eau. Partout sur sa surface calme, des signes de vie apparaissaient, soit des anneaux ou des rides à la surface, soit le seau d'un grand poisson argenté, soit le dos arrondi et ardoisé de quelque monstre en promenade. Sur un banc de sable, j'aperçus un animal que j'apparentais à un cygne géant, avec un corps lourd et un cou long et flexible qui se traînait sur le bord. Il plongea bientôt. Sa tête, au bout de son long cou, ondulait sous l'eau, puis il plongea plus profond et je ne le vis plus. Mon attention dut se porter plus près, sous mes pieds. 2 animaux, de la taille de gros tatous, étaient descendus à l'abreuvoir. Accroupis au bord de l'eau, ils lapaient consciencieusement avec leur langue rouge. Puis, un cerf gigantesque, avec des bois en rameaux, bête splendide qui avait le maintien d'un roi, s'approcha en compagnie de sa biche et de ses fans. Ils burent côte à côte avec les tatous. Je ne connais pas de cerf semblable. L'élan ou l'orignal lui serait venu à l'épaule. Il poussa un petit bramement d'alerte et s'enfuit parmi les roseaux avec sa famille et les deux tatous sans doute pour se mettre à l'abri. Car un nouvel arrivant, un animal extraordinaire, descendait à son tour la piste. Pendant quelques instants, je me demandais où j'avais pu voir cette forme lourde et dégingandée, ce dos voûté avec des franges triangulaires, cette étrange tête d'oiseau près du sol. Puis soudain, j'eus un éclair. C'était le stégosaure. C'était l'animal même que Maple White avait dessiné dans son album de croquis et qui avait tout de suite captivé l'attention de Challenger. C'était lui, peut-être le même que l'Américain avait rencontré. Sous son poids formidable, le sol tremblait. Ses grandes lampées résonnaient dans le silence de la nuit. Pendant 5 minutes, il se tint si près de mon roc de lave qu'en allongeant la main, j'aurais pu toucher les hideuses plumes de son cou. Puis il s'écarta et se perdit parmi les rochers. Je regardai ma montre. Il était 2h30. Largement l'heure, par conséquent, à laquelle il me fallait reprendre ma marche pour réintégrer le camp. Pas de difficulté pour le parcours. J'avais suivi le ruisseau en le gardant sur ma gauche, et il m'avait conduit au lac central. Je savais qu'il était à un jet de pierre du roc de lave où j'étais assis. J'étais euphorique quand je pris le chemin du retour. N'avais-je pas fait du bon travail ? Ne ramenais-je pas un joli lot de nouvelles à mes compagnons? Avant tout, il y avait ces cavernes avec des feux, donc la certitude qu'elles étaient habitées par une race de troglodytes. Et puis, je pourrais parler du lac central par expérience, témoigner qu'il abritait d'étranges créatures. J'y avais vu plusieurs aspects de la vie primitive que nous n'avions pas encore aperçus. Je réfléchis, tandis que je marchais, que peu d'hommes au monde auraient pu passer une nuit plus passionnante et ajouter à la science humaine en quelques heures tant de connaissances nouvelles. Je remontais la pente en remuant ces pensées dans ma tête, et j'avais atteint un point qui devait se trouver à mi-distance du camp, quand un bruit bizarre derrière moi me ramena à ma situation présente. C'était quelque chose qui tenait l'intermédiaire entre un ronflement et un grognement, profond, grave, très menaçant. Il y avait assurément une bête non loin de moi, mais je ne vis rien, et je me hâtai d'avancer. J'avais franchi près d'1 kilomètre, quand brusquement le bruit se répéta, encore derrière moi, mais plus fort et plus redoutable. Mon cœur s'affola quand je réfléchis que cette bête, quelle qu'elle fût, me suivait. Ma peau se glaça et mes cheveux se hérissèrent. Certes, j'acceptais volontiers l'hypothèse que ces monstres se déchirassent pour obéir à la dure lutte pour la vie, mais la perspective qu'ils risquassent de se tourner contre l'homme moderne, de le poursuivre et de le pourchasser, était beaucoup moins réconfortante. Je me rappelai de nouveau le mufle bavant le sang qu'avait éclairé la torche de Lord John. Mes genoux ployaient sous moi et tremblaient. Je m'arrêtai cependant et fis face. Mon regard descendit le long du sentier que la lune éclairait. Tout était aussi tranquille que dans un paysage de rêve. Des éclaircies argentées, les taches sombres des arbustes, je ne distinguais rien d'autre. Puis, une fois encore, retentit ce grognement de gorge, beaucoup plus fort, beaucoup plus proche qu'auparavant. Plus de doute. Une bête était sur ma trace et se rapprochait de moi. Je demeurai comme un homme paralysé, les yeux fixés sur le terrain que j'avais franchi. Puis, tout à coup, je la vis. À l'extrémité de la clairière que je venais de traverser, les buissons remuaient. Une grande ombre foncée se dégagea pour sautiller à cloche-pied au clair de lune. Je dis « sautiller à cloche-pied » volontairement, car la bête se déplaçait comme un kangourou, sautant sur ses puissantes pattes postérieures et se tenant dressée verticalement, tandis qu'elle recourbait ses pattes antérieures devant elle. Elle était d'une taille énorme, aussi grande qu'un éléphant dressé, ce qui ne l'empêchait pas de se mouvoir avec une grande agilité. Pendant un moment, je la pris pour un iguanodon, étant donné son aspect formidable, et je me rassurai, car je savais les iguanodons inoffensifs. Mais, tout ignorant que je fusse, je compris vite qu'il s'agissait d'un animal différent. Au lieu de la tête gentille, semblable à celle d'un daim, du grand mangeur de feuilles à trois doigts, cette bête possédait une tête large, trapue, qui rappelait le crapaud et la bête qui nous avait alarmés dans notre campement. Son cri féroce et l'acharnement qu'elle avait mis à me suivre m'indiquaient bientôt qu'elle appartenait à l'espèce des grands dinosaures carnivores, les animaux les plus terribles qui aient jamais erré sur cette terre. Ce monstre énorme poursuivait ses bonds, baissait périodiquement ses pattes antérieures et promenait son nez sur le sol tous les 20 mètres à peu près. Elle flairait ma trace. Parfois elle se trompait, mais elle la retrouvait vite et continuait d'avancer dans ma direction par petits bonds. Même aujourd'hui, quand je revis cette scène, la sueur perle à mes tempes. Que pouvais-je faire? J'avais à la main mon arme pour gibier d'eau. Désespérément, je cherchais du regard un rocher ou un arbre, mais j'étais dans une jungle broussailleuse. Et d'ailleurs, je savais que la bête pouvait arracher un arbre aussi facilement qu'un roseau. Ma seule chance résidait dans la fuite. Mais comment courir vite sur ce sol inégal, rude? J'aperçus juste devant moi une piste bien dessinée, dont la terre était dure. Pendant nos expéditions, nous en avions vu de semblables. C'était celle qu'empruntaient les bêtes sauvages. Peut-être de là parviendrais-je à m'en tirer, car j'étais un coureur rapide, dans une bonne condition physique. Je me débarrassai de mon fusil de chasse et je courus le plus beau 800 mètres de ma vie. Mes muscles étaient douloureux, j'étais à bout de souffle. Il me semblait que mon gosier allait se rompre par manque d'air, et pourtant, sachant quelle horreur me pourchassait, je courus. Enfin, je m'arrêtais, incapable de faire un pas de plus. Pendant quelques instants, je crus que je l'avais semé. La piste s'étendait derrière moi et je ne voyais rien. Puis tout à coup, dans un craquement et un déchirement terrible, le bruit sourd des foulées de cette bête géante ainsi que le halètement de poumons monstrueux rompirent le silence. Elle était sur mes talons. Elle bondissait de plus en plus vite. J'étais perdu. Fou que j'avais été de l'embiner avant de fuir. Lorsqu'elle ne m'avait pas encore vu, elle m'avait pisté à l'odeur, et elle s'était déplacée avec une certaine lenteur. Elle m'avait vu quand j'avais commencé de courir. À partir de ce moment-là, elle m'avait chassé à vue, car la piste lui avait indiqué par où j'avais bifurqué. Elle contourna un virage en sautillant avec une vélocité extraordinaire, ses yeux saillants, immense, brillait sous la lumière de la lune. Ses énormes dents bien rangées se détachaient dans la gueule ouverte. Je poussai un cri de terreur et recommençai à dévaler la piste. Derrière moi, le souffle de la bête se rapprochait. Je l'entendais de mieux en mieux. Sa foulée courait maintenant presque dans la mienne. À tout moment, je m'attendais à sentir sa poigne s'abattre dans mon dos. Et puis, soudain, je tombais. Mais je tombais dans le vide. Tout autour de moi n'était plus qu'obscurité et silence. Lorsque j'émergeais de mon inconscience, mon évanouissement n'avait pas duré sans doute plus de quelques minutes, je fus assailli par une odeur aussi pénétrante qu'atroce. J'avançai une main dans le noir, et elle rencontra un gros morceau de chair, tandis que mon autre main se refermait sur un os de bonne taille. Au-dessus de ma tête, se dessinait un cercle de ciel plein d'étoiles, dont la lumière obscure me montra que je gisais au fond d'une fosse. Avec lenteur, je me mis debout, et je me sentis contusionné de partout. J'avais mal de la tête aux pieds, mais mes membres remuaient, mes jointures fonctionnaient. Les circonstances de ma chute me revinrent confusément en mémoire. Alors je levai les yeux, redoutant avec terreur d'apercevoir la terrible tête de la bête se profiler sous le ciel blafard. Mais je ne vis et n'entendis rien. Je me mis en demeure de faire le tour de ma fosse, pour découvrir ce que pouvait contenir ce lieu où j'avais été précipité si opportunément. Le fond avait 7 ou 8 mètres de large. Les parois étaient verticales. De grands lambeaux de chair, ou plutôt de charogne tant la putréfaction était avancée, recouvraient presque complètement le sol et dégageaient une odeur abominable. Après avoir trébuché contre ces immondices, je heurtai quelque chose de dur. C'était un piquet qui était solidement enfoncé au centre de la fosse. Il était si haut que ma main ne put en atteindre le bout, mais il me sembla couvert de graisse. Je me souvins que j'avais dans ma poche une boîte d'allumettes bougies. J'en frottai une, et je pus me faire une opinion précise sur l'endroit où j'étais tombé. Je me trouvais bel et bien dans une trappe, et dans une trappe aménagée de main d'homme. Le poteau du milieu, qui avait 3 mètres de long, était taillé en pointe à son extrémité supérieure et noirci par le sang croupi des animaux qui s'y étaient empalés. Les débris éparpillés tout autour étaient des lambeaux des bêtes qui avaient été découpés afin que le pieu fût libéré pour une prochaine prise au piège. Je me rappelais que Challenger avait affirmé que l'homme n'aurait pas survécu sur ce plateau étant donné les faibles armes dont il disposait contre les monstres qui l'habitaient. Mais maintenant, il était évident qu'il avait pu survivre. Dans leur caverne à orifices étroits, les indigènes, quels qu'ils fussent, avaient des refuges où les gros sauriens étaient incapables de pénétrer. Et leur cerveau évolué avait eu l'idée d'établir des trappes recouvertes de branchages en plein milieu des pistes fréquentées par les bêtes féroces. De celles-ci, la force et la violence se trouvaient donc vaincues. La paroi n'était pas en pente si raide qu'un homme agile ne pût l'escalader. Mais j'hésitai longtemps avant de me risquer. N'allais-je pas retomber dans les pattes de l'ignoble bête qui m'avait poursuivi? N'était-elle pas tapie derrière quelque fourré, guettant une proie qui ne pouvait manquer de reparaître? Je repris courage cependant, en me remémorant une discussion entre le professeur Challenger et le professeur Summerlee sur les habitudes des grands sauriens. Tous deux étaient tombés d'accord pour affirmer qu'ils n'étaient pas intelligents, que dans leur cervelle minuscule, il n'y avait pas de place pour la raison et la logique, et que, s'ils avaient disparu du reste du monde, c'était surtout à cause de leur stupidité congénitale qui les avait empêchés de s'adapter à de nouvelles conditions d'existence. Si la bête me guettait, autant dire qu'elle avait compris ce qui m'était arrivé, et qu'elle était donc capable de faire une liaison entre la cause et l'effet. Il était assez peu vraisemblable qu'une bête sans cervelle, inspirée uniquement par un instinct de férocité, se maintint à l'affût après ma disparition. Sans doute avait-elle dû être étonnée, puis elle était partie ailleurs en quête d'une autre proie. Je grimpai jusqu'au bord de la fosse pour observer les environs. Les étoiles affadissaient leur éclat, le ciel blêmissait, et le vent froid du matin me souffla agréablement au visage. De mon ennemi, je ne décelai aucun signe. Alors, lentement, j'émergeai de toute ma taille, sortis et m'assis sur le sol, prêt à sauter dans la trappe si un danger quelconque surgissait. Rassuré par le calme absolu et la lumière du jour qui se levait, je pris mon courage à deux mains et redescendis la piste que j'avais empruntée pour m'enfuir. Au passage, je ramassai mon fusil et trouvai bientôt le ruisseau qui m'avait servi de guide. Tout frémissant encore de mon horrible aventure, je repris le chemin du Fort Challenger, non sans lancer de temps à autre derrière moi un regard inquiet. Et soudain, un bruit me rappela mes compagnons absents. Dans l'air paisible et clair du petit matin, j'entendis au loin le son aigu, brutal, d'un coup de fusil. Je m'arrêtai pour écouter, mais plus rien ne parvint à mes oreilles. Je me demandais si un danger subit n'avait pas fondu sur eux, mais une explication plus simple et plus naturelle me traversa la tête. L'aube était levée, et il s'était imaginé que je m'étais perdu dans les bois. Aussi avait-il tiré ce coup de feu pour que je puisse repérer le camp. Certes, nous avions pris la ferme résolution de nous abstenir d'user de nos armes, mais je réfléchis que s'il m'avait cru en danger, il n'aurait pas hésité. C'était donc à moi de me hâter pour les rassurer le plus tôt possible. Comme j'étais fatigué, je n'avançais pas aussi vite que je l'aurais souhaité. Du moins, étais-je revenu dans des régions que je connaissais. Je revis le marais aux ptérodactyles sur ma gauche. En face, il y avait la clairière aux iguanodons. Maintenant, je me trouvais dans la dernière ceinture boisée qui me séparait du Fort Challenger. Je poussai un cri joyeux pour dissiper leurs craintes. Un silence de mauvais augure fut la seule réponse que j'obtins. Mon cœur s'arrêta de battre. Vite, je pris le pas de course. La zareba était devant moi, telle que je l'avais laissée, mais la porte était ouverte. Je me précipitai à l'intérieur. Dans la froide lumière matinale, ce fut un terrifiant spectacle qui s'offrit à mes regards. Nos affaires étaient éparpillées sur le sol dans un désordre inexprimable. Mes compagnons avaient disparu. Auprès des cendres fumantes de notre feu, l'herbe était tachée de sang. Une mare écarlate me fit dresser les cheveux sur la tête. Je crois que pendant quelques instants, je perdis littéralement la raison. Je me rappelle vaguement comme on se rappelle un mauvais rêve, avoir couru tout autour du camp et fouillé les bois en hurlant les noms de mes camarades. L'ombre ne m'apporta aucun écho. Le désespoir m'envahit. Ne les reverrai-je jamais? Étais-je donc abandonné à mon funeste sort sur cette terre maudite? Puisqu'il n'existait aucun moyen de descendre dans le monde civilisé, allais-je devoir vivre et mourir dans ce pays cauchemardesque? Ce fut seulement à cet instant que je réalisai combien j'avais pris l'habitude de me reposer sur mes compagnons, sur la sereine confiance en soi de Challenger, sur le sang-froid et l'humour de Lord Roxton. Privé d'eux, j'étais comme un enfant dans le noir, impuissant et tremblant. Je ne savais ni quoi faire, ni comment agir. Tout de même, je me mis à réfléchir. Qu'était-il donc arrivé à mes compagnons? L'aspect désordonné du camp indiquait qu'une sorte d'attaque s'était produite, et le coup de fusil révélait sans doute l'heure à laquelle il avait eu lieu. Qu'il y en eut qu'un de tiré, voilà qui prouvait que l'attaque avait réussi en quelques secondes. Les armes étaient demeurées au sol, et l'une d'elles, le fusil de Lord John, avait une cartouche vide dans la culasse. Les couvertures de Summerlee et de Challenger à côté du feu suggéraient qu'au moment de l'attaque, ils dormaient. Les caisses de munitions et de vivres gisaient éparses dans un fouillis incroyable, ainsi que nos pauvres caméras et leurs plaques. Mais aucune ne manquait. D'autre part, toutes les provisions étalées à l'air, et je me rappelais qu'il y en avait une grande quantité, avaient disparu. Par conséquent, l'attaque avait été déclenchée par des animaux, non par des indigènes qui auraient tout emporté. Mais s'il s'agissait d'animaux, ou d'un seul terrible animal, qu'étaient donc devenus mes compagnons? Une bête féroce les aurait sûrement dévorés et aurait abandonné leurs restes. Je voyais bien une hideuse mare de sang. Seul un monstre comme celui qui m'avait poursuivi pendant la nuit aurait été capable de transporter une victime aussi facilement qu'un chat, une souris. Et dans ce cas, les autres l'auraient poursuivi. Mais ils n'auraient évidemment pas oublié de prendre leur fusil. Plus j'essayais de produire avec mon cerveau épuisé une hypothèse qui concorda avec les faits, moins je trouvais d'explications valables. Et dans la forêt, je ne décelai aucune trace qui pût m'aider. Je bâtis même si consciencieusement les environs que je me perdis, et que je ne revins au camp qu'après une heure de marche errante. Tout à coup, une pensée me vint qui ranima en moi l'espoir. Je n'étais pas absolument seul au monde. En bas de l'escarpement et à portée de voix, le fidèle Zambo devait attendre mes ordres. Je me rendis sur le rebord du plateau et je regardai par-dessus le gouffre. Naturellement, il était là, accroupi parmi des couvertures près de son petit camp. Mais à ma stupéfaction, un autre homme était assis en face de lui. Mon cœur tressaillit de joie, car je crus d'abord que c'était l'un de mes compagnons, mais un deuxième coup d'œil dissipa cette erreur. Le soleil levant éclaira le visage rouge de l'homme. C'était un Indien. J'appelai. J'agitai mon mouchoir. Zambo m'entendit, me fit signe de la main et grimpa sur le piton rocheux. Quelques instants plus tard, il était debout tout près de moi et il écouta avec un chagrin sincère l'histoire que je lui contais. « C'est le diable qui les a emportés, Master Malone. Vous avez pénétré dans le pays du diable, pardi, et c'est le diable qui s'est vengé. » Vous voulez mon avis, Massa Malone? Descendez vite, sinon il vous aura à votre tour. Mais comment puis-je descendre, Zambo? Sur les arbres, il y a des lianes, Massa Malone. Jetez-les-moi, je les lierai bien fort, et ainsi vous aurez un pont pour passer. Nous y avions pensé. Le malheur est qu'il n'y a pas de liane assez solide. Il faut envoyer chercher des cordes, Massa Malone. Envoyer qui et où? L'Indien. Les autres l'ont battu et lui ont volé sa paix. Il est revenu vers nous. Il est prêt à prendre un message, à aller chercher une corde, n'importe quoi. Prendre un message? Pourquoi pas? Peut-être pourrait-il chercher du secours. En tout cas, il rapporterait l'assurance que nous n'avions pas donné nos vies pour rien. La nouvelle que nous avions gagné une bataille pour la science parviendrait à nos compatriotes. J'avais déjà 2 messages qui attendaient. Je passerai la journée à en compiler un 3e, et l'Indien les ferait parvenir au monde civilisé. Je donnai donc l'ordre à Zambo de revenir le soir, et j'occupais ma misérable journée à rédiger le récit de mes aventures personnelles de la nuit. J'écrivis également une lettre à remettre à n'importe quel marchand ou marin. J'y exposais la nécessité absolue que l'on confiât des cordes à notre porteur, puisque nos vies dépendaient de ce secours. Je jetai les cassettes à Zambo le soir même, ainsi que ma bourse, qui contenait 3 souverains anglais. L'Indien reçut la promesse qu'il en recevrait le double s'il revenait avec des cordes. Et maintenant, vous voici à même de comprendre, cher monsieur McArdle, comment cette communication a pu vous parvenir. Vous voici également au courant de tout, pour le cas où vous ne reverriez jamais votre infortuné correspondant. Ce soir, je suis trop las et trop déprimé pour dresser des plans. Demain, il faudra pourtant que je me mette sur la piste de mes malheureux compagnons, tout en demeurant en contact avec le Fort Challenger. Tel est le problème que je dois résoudre absolument. Voilà, chers amis, c'est la fin de cet épisode du Monde Perdu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la rediffusion tout bientôt, samedi, à 18 h sur la chaîne YouTube de l'Aube des Songes, dont je vous renvoie immédiatement le lien avec la commande « J'en veux plus !» Hop, commande « J'en veux plus » qui vous permet également de retrouver la possibilité de nous rejoindre sur le Discord, le fantastique Discord. Le fantastique Discord qui, eh bien, vous permet de discuter avec nous également en dehors des streams. Chers amis, je vois qu'il est 21 h, je vais regarder tout de suite où en est ce très cher Bavard, puisque je suis supposé vous envoyer eh bien, chez lui. Et bien chez lui pour que vous puissiez, eh bien, avoir la suite de votre jeudi soir du conte. Mais d'abord, il est temps que... Alors, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux gens qui avaient suivi... Chers gens qui étaient dans le chat, Rocken, Suisse Kazu, est-ce que je peux prononcer tous les pseudos? Ou est-ce qu'il y en a certains qu'il ne faut pas que je le dise? Ce n'est pas une raison, radio. Ce n'est pas une raison. Hop, bon, pendant que je vais regarder... Bavard Stories n'est pas encore connecté, n'est pas... Ah, au moment où je dis ça, il vient de se connecter. 8 minutes! Chers amis, c'est parfait, on a 8 minutes pour blablater entre nous avant d'envoyer... Enfin, avant de vous envoyer chez Bavard. Du coup, je peux prononcer tout le monde? Ah mais attendez. Stop. J'ai la musique d'attente de Bavard. Non, 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 attendez. Soyons sérieux, soyons sérieux. Alors. Alors. Ah, d'accord. Merci, Kazu. Eh bien alors, dans ce cas, je ne le dirai pas pour les gens qui regardent Shingeki no Kyojin. Je pense que c'est ça. Donc je dirais simplement, merci Mikasa de suivre la chaîne de l'Aube des Songes. J'espère que ce que tu y as trouvé ce soir t'a plu. Et merci Dagax94 également pour eh bien, le fait de suivre la chaîne. J'espère que ça vous plaît dans tous les cas. Et je vous rappelle que si vous voulez découvrir aussi l'autre émission, ça se passe le lundi pour les lives jeux de rôle. Comment tu te prépares pour les lives lecture? Alors poésie, concrètement, déjà je commence par lire les chapitres. Ça paraît assez évident. Là maintenant, j'ai à peu près une idée. Je sais que 2 chapitres, c'est amplement suffisant pour discuter. Mais ça représente, quand j'ai le document, c'est, ça fait l'équivalent de 29 pages à 4. Voilà. Donc ça, je sais que c'est, j'ai assez de texte, mais c'est même un peu long. Je sais que je vais devoir les lire avec, que je vais devoir les lire avec un rythme assez soutenu. C'est aussi pour ça que les prochaines fois, je vais vraiment commencer à 19h15 au plus tard. Même s'il y a des gens qui arrivent encore en cours de route, parce que comme ça, ça me permet vraiment de d'être à l'heure pour vous envoyer chez Bavard à la suite. Sinon, ben, je sais également, je sais la structure de l'émission, c'est-à-dire que je sais que je veux une musique avec le générique de début, le générique de fin, ça je le note. Je sais pas si je peux vous le partager. Est-ce que je peux vous le partager? Si, je peux. Attendez. Capture de fenêtre. Hop. Voilà. Exactement. Hop. Donc là, vous avez le PDF que j'ai préparé pour ce soir. Et donc typiquement ici, je me prépare des indications avec des jingles, donc qui sont en fait les génériques. Je choisis les musiques au préalable selon l'ambiance et je mets des interludes musicaux à peu près toutes les 8 pages, on va dire, parce que ça permet à vous d'avoir une pause et puis de souffler dans l'action. Et puis moi, ça me permet aussi de reposer ma voix, de boire un coup d'eau aussi. Et c'est assez essentiel parce que si je fatigue vraiment trop, je bégaye plus. Et ça vous fait potentiellement décrocher plus facilement. Je mange des pommes, c'est exact Radio Cobra. Et le fait de manger des pommes est excellent. Et je sais plus, je crois que c'était une de mes profs de doublage qui m'avait dit ça. Que le fait de... Non, c'était quelqu'un pendant un stage que je faisais au tout début. Qui m'avait dit que le fait de manger des pommes, ça assèche la voix, ça évite qu'en fait vous saliviez trop. Accessoirement, j'aime beaucoup les pommes, oui. D'ailleurs... Mais donc voilà, après Poésie, s'il y a vraiment plus de personnages que je ne peux en retenir mentalement, je réécoute parfois des bouts pour me dire genre tiens, il avait quelle voix ce personnage-là? Mais la lecture, je fais vraiment en sorte qu'il n'y ait pas trop de voix différentes et de caractériser vraiment que les personnages principaux. Comme ça, je sais les retenir, vous aussi. Ça fait plaisir de les retrouver, et puis moi, j'ai pas 50 voix à essayer de faire. Voilà, voilà. Pourquoi les musiques des jingles sont aussi fortes? Mais pourtant, je... Purée. Pourtant, je baisse le volume, hein, pour que ce soit pas trop fort. Il n'y a que Radio Cobra que ça gêne? Ou c'est tout le monde? Parce que si c'est le cas, je tenterai de baisser encore. Ouais, bah en fait, autant ma voix, je peux pas faire plus. Je peux pas la mettre plus fort maintenant, parce qu'elle est vraiment au maximum. Je peux, par contre... Ah, c'est effectivement... Je vois ce que tu veux dire, ça fait effectivement un peu beaucoup. Je vois. Des bisous songeurs. J'abdique, je vais m'allonger et lire. Eh ben écoute, un grand plaisir, Dracophanie. Je suis très content que ça t'ait plu. Chez moi ça va, c'est plus fort, mais ça roule. Par contre, t'enlèves pas la peau. Non, Poésie, parce que c'est ça qui contient le plus de vitamines dans la pomme. Et oui, ça faut le savoir. C'est important. Bon. Mais d'ailleurs, les gens, je me rends compte qu'on est tout bientôt à la fin de... Comment dirais-je? Du monde perdu. On arrive au bout. Je crois qu'il reste... On a fait quoi? Chapitres 11 et 12. Je crois qu'il y en a 16. Ouais, donc techniquement, on n'est plus très loin de la fin. Attendez. Attendez. 16, exactement. Donc il reste techniquement 2 lives. 2 lives. Avant eh bien, la fin de l'histoire. Et ça, c'est fort sympathique, puisque ça veut dire que semaine prochaine, j'ouvre les votes sur le prochain livre. Et dans 2 semaines, on sait quel livre on lira par la suite. Mais si tu savais combien de fois on traite les pommes, je mangerais pas la peau. Je pense aussi que si je savais ce qu'on traite sur la nourriture en général, je ne mangerais plus rien que je n'ai fait pousser moi-même. Mais à l'heure actuelle, bah, je vis pas à la campagne pour l'instant, et donc j'ai pas tellement l'opportunité de faire pousser ma nourriture. Et quand bien même, je suis pas certain que je le ferai de toute façon, parce que... Comment dire? Des chats! Ah oui, des chats! Des chats avec des lunettes de soleil, des chats merveilleux, des chats incroyables. Eh bien, je suis ravi que ça t'ait plu, Raveline, et c'est absolument pas grave que tu sois arrivé en cours de route. La rediffusion sera là. Ce sera là. Hop, d'ailleurs. Voilà. Ce sera là, dans la rediffusion YouTube, pour avoir la suite. Bien, chers amis, je vois que Bavard arrive à la fin de son temps de pré-roll. Je vous remercie d'avoir été là, je vous donne rendez-vous samedi pour la rediffusion sur YouTube, mardi il y a un nouvel épisode, mais surtout lundi, 19 h, notez bien 19 h, pas 20, 19 h, rendez-vous pour le dernier épisode d'Hubris, la campagne pour Cyberpunk Red, avec Kazu et Livia. Je me réjouis, ça va être un gros morceau. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous. J'envoie le générique et à la fin de celui-là, vous serez automatiquement raidé chez Bavard. Alors, des bisous tout le monde, bonne soirée, prenez soin de vous, etc. etc. Bye bye. Le jour, irrésistiblement, achève sa course. Des chœurs de grillons entonnent leur chant, et tu peux voir au loin quelques lucioles allumer leurs lanternes. Au coin d'un feu, tu rejoins d'autres voyageurs et vous vous embarquez ensemble à bord des histoires dites par le conteur. Vous levez les yeux au ciel et, tandis que les brumes crépusculaires révèlent la clarté naissante de la lune, vous atteignez, sans le savoir, l'aube des songes.